Bonjour à vous, j'avais envie de vous partager un petit message. Peut-être qu'aujourd'hui dans votre vie, vous avez du mal à vous autoriser à rêver, à croire en ce qui est important pour vous, à peut-être vous dire que vous pouvez y arriver. Peut-être que quand vous regardez au loin, vous dites, je ne sais pas si je vais réussir à être confiant ou à créer l'entreprise de mes rêves ou à doubler votre chiffre d'affaires ou peut-être à avoir le couple que vous méritez. Peut-être que ça vous arrive de vous dire, mais en fait, je ne vais pas réussir et que vous n'avez plus d'espoir, cette lumière au bout du tunnel, elle n'est pas là. Peut-être que vous n'en êtes peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, vous avez du mal à croire que ce qui est important pour vous est possible. Vous arrivez à rêver jusque-là, mais peut-être pas rêver à un autre plus grand niveau. Et j'avais envie de vous partager ce message tout simple, de vous dire pourquoi pas vous autoriser à rêver. Peut-être que vous vous empêchez de rêver en vous disant « Ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est possible, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. » Et je croise beaucoup de personnes qui s'empêchent de rêver parce que... Elle se dit, je vais peut-être pas y arriver, je vais peut-être être frustré si j'y arrive pas. La question, c'est pas d'y arriver ou de ne pas y arriver. La question, c'est de comprendre que rêver apporte quelque chose déjà en soi. Rêver apporte quelque chose en termes d'énergie. Rêver me permet de me relever. Rêver me permet de me dire que ma vie, elle a un sens. Rêver, ça me permet de pouvoir transformer les difficultés de mon passé en me disant, je vais utiliser ça comme ressource pour aller vers mes rêves. Rêver, ça me permet d'avoir un sens à pourquoi me lever le matin, avoir une énergie. Donc, je vous invite à vous autoriser à rêver, non pas parce que c'est sûr de réussir, mais parce qu'on est né pour rêver. Rêver, c'est comme notre oxygène. On a besoin de rêver pour se lever et avoir de l'énergie, de la motivation. Donc, l'objectif d'un rêve, c'est pas d'être réalisé. L'objectif d'un rêve, c'est de nous donner de l'énergie le matin pour avancer, avoir cette direction magique et magnifique. Un jour, j'ai décidé de m'autoriser à rêver que je pourrais être confiant, que je pourrais arriver à inspirer d'autres personnes, que je pourrais avoir du matériel et des technologies qui me permettent de faire les vidéos que je veux, m'autoriser à voyager aux États-Unis, m'autoriser à interviewer des gens qui m'inspirent, m'autoriser à générer plus d'argent, m'autoriser à fonder et créer une équipe avec laquelle avancer, je me sens bien, m'autoriser à avoir un couple qui m'inspire. Ça commence par là. Donc, peu importe là où vous en êtes dans votre réussite, peut-être qu'il est intéressant de vous autoriser à rêver plus grand. Non pas pour le réaliser, mais juste pour vous faire du bien. Juste pour vous dire, si tout est possible, ma vie serait comment. Et en faisant ça, notre vie, elle change. Walt Disney nous disait, « What you can dream, you can live. » Ce que tu peux rêver, tu peux le vivre. Et ça commence par là. On est des machines à rêver. Et c'est important de s'autoriser à rêver. C'est important de vous autoriser à être l'architecte de votre vie, à designer votre vie, à être le réalisateur de la vie sur le futur. Donc posons-nous un instant, regardons à l'horizon et se disons, « Ok, dans 10 ans, si tout est possible, j'ai envie d'être où ? Dans 10 ans, vous avez envie de devenir qui ? Dans 10 ans, si tout est possible, avec la technologie ou ce que vous voulez, vous aimeriez vivre quoi ? Pas en vous basant sur Hollywood ou la société, vos parents, mais avec vos tripes et votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre ? Peut-être que vous avez envie de devenir cet homme ou cette femme confiant. Peut-être d'être plus à l'aise financièrement ou d'être quelqu'un à l'aise dans la communication. Ce qui est important pour vous, vous pouvez le réaliser. Mais en fait, on s'en fout de le réaliser. Ce qui compte, c'est de se lever le matin et d'avoir un rêve. C'est cette phrase de Martin Luther King, « I have a dream ». Ça commence par là. La question, c'est pas d'avoir un plan. La question, c'est pas de dire « I have a plan ». La question, c'est de dire « I have a dream ». Autorisons-nous à rêver aussi grand qu'on veut, non pas pour le réaliser, mais pour donner un sens à pourquoi je me lève le matin et inspirer les autres à avoir des rêves. Voilà le message que j'avais envie de vous donner. Merci à vous encore et avançons pour réaliser nos rêves et inspirer les autres à faire de même. Merci à vous.